nan lang kreol haïtien. Jodi a se 1er mai, se fèt agriculture ak travay nan pil peyi parmi yo les États-Unis avec Haïti. Mwen se Jacques Belizer kak nan Grand Point kap domine aktualite. Les ententes nan mitan conseil présidentiel transition après nomination Edgar Leblanc fils comme président ak Fritz Belizer comme premier ministre. Actualité dans la région Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui rencontre jodi ak premier ministre Benjamin Netanyahu, parler ak famille otage qui manifestait dans Tel Aviv. États-Unis, la police délogé étudiants manifestants pro-palestinien dans l'université Columbia dans New York pendant situation arrêté chauffée dans UCLA, University California, Los Angeles. Voilà, c'est Prince Ayo avec l'autre encore. Nous allons développer pour dans un petit moment dans rendez-vous info. Merci et d'est-ce que vous aurez été branché dans un moment ça. Moi-même, je suis content de retrouver nous après quelques jours d'absence. Nous allons dans l'actualité mener nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté conseil présidentiel transition. Hier, franchi, yon l'autre étape avec nomination. Yon président ou bien ça nous relé yon coordinateur conseil présidentiel transition avec yon premier ministre, mais tout ça fait nan yon ambiance qui poko fin gagné entente totale la dan en al vivre moment ça. Une entente autour de Edgar Leblanc fils a été trouvée pour que Edgar Leblanc fils soit donc le président du conseil. Selon cet accord, la majorité aussi a profité pour faire choix ou bien pour a proposer un premier ministre. Il s'agit donc de Fritz Belizer. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qu'il y a pour prendre d'abord en matière de sécurité. Donc voilà une première étape dans le cadre de tâche que le Conseil présidentiel transition a gagné. Et il faut dicter son majorité, donc il y a 4 plus 3, ça fait 7 membres, sans oublier, on va mettre à côté 2 membres qui n'ont pas le droit de vote. C'est d'abord majorité qui gagne la donne Smith Augustin, Emmanuel Vertiler, lui Gérald Gilles, et Edgar Leblanc. Et puis il y a l'autre groupe là, qui sont Goussaoui, les groupes minoritaires là, qui gagne 3 membres la donne, c'est Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean, avec Laurent Saint-Cyr, mais il y a une pile réaction qui sortit, et l'autre côté notamment de Montana, qui posait question sur Jean yo fait là, modalité que yo fait là, système, méthode que yo utilisé pour être capable de nommer et président ou bien coordinateur conseil présidentiel transition avec premier ministre. Donc nomination ça provoquer réaction dans mitan quelques regroupements partis politiques qui t'ai signé accord 3 avril là parmi accord Montana et yon l'autre réaction bon côté yon personnalité qui proche conseil présidentiel transition nous gain sous place Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Après bloc majoritaire dans conseil présidentiel transition fin choisi par consensus ancien sénateur Edgar Leblanc fils comme président structure ça a désigné Fritz Belizer comme premier ministre pour diriger transition. Certains leaders politiques haïtiens by opinion yo pour causer ça parmi yo docteur Renan Abson Chalo qui est vice-président mouvement patriotique pour la vie Mopal qui mandé acteur ça yo assumer responsabilité yo pour éviter un éventuel chaos dans pays yo gagner pour obligation pour yo ressaisir rapidement et retourner en d'accord là. Accord là lui-même lui dit clairement qui ça comment ça doit fait. Accord là dit et que premièrement yo doit ouvrir. Yo doit ouvrir à qui ça? Yo doit ouvrir à d'autres groupes. Ça veut dire pour que gagne près de 6 autres groupes qui ta doit fait partie de processus là pour faire choix pour faire et pour capable proposer premier ministre et pour participer dans l'autre et chantier qui gagne il faudrait bien que nous fassions conseil là avec ensemble de 9 membres qui gagnent faut qu'il montre plus de leadership pour les rencontrer
ensemble de l'autre monde qui parle dans le conseil là, ensemble de l'autre entité qui parle dans le conseil là, pour que yo commencer garder les grands chantiers que nous croyons qui attendent yo, particulièrement question sécurité, question conférence nationale, la vie chère, question élection. Docteur Chalo exhorté 9 membres conseil présidentiel transition hein, pour yo éviter division entre CPA dans intérêt collectivité a. N'a rappelé Edgar Leblanc fils président conseil présidentiel là, c'est ancien sénateur qui était président Sénat haïtien hein, pendant 5 années, sorti 1995 pour arriver 2000. Lui, c'est président parti politique organisation Peuple Cap Lutté OPL. Bokodi Pal, premier ministre désigné, Fritz Belizer, c'est un ancien cadre dans le ministère Travaux publics, Transport et Communication, avec ancien ministre Sport et Service civique, Wena Toussaint, pour VOA Creole. Port-au-Prince. Merci, Wena Toussaint. Conseil présidentiel transition, après le prend. Et Maya, dans le moment que le pays a fait face à une crise sans pareil, avec plusieurs dimensions, notamment une question de sécurité, mais un problème tout économique, la vie chère, problème social et autres. Et c'est comme ça, plusieurs citoyens haïtiens, eux-mêmes, dans la deuxième ville pays, on a parlé de Cap Haïtien, eh bien, il y a pour vendre gaz dans la rue pour combattre la vie chère avec la misère. On a regardé ça plus près avec Fred Gaimit. En plus, citoyen haïtien entré dans l'activité revend gaz comme moyen pour yo survivre, dans moment côté famille yo a combattre la misère. Dans Cap Haïtien, deuxième ville pays a, les stations gaz yo mette restriction sous les fonctionnements yo. D'après agence Nouvelle Routeuse qui rapporte manque gaz dans quelques parties dans pays a. Revendeur gaz yo al vend li dans la rue dans localité côté moun yo pa ka joindre ni. Citoyen ça Saint James qui était contre vendre accessoires pour téléphone mobile, mais il était tout profité à cause de manque gaz là pour les laguer coller dans commerce revendre gasoline. Bon, situation gaz là en Haïti, c'est comment? Donc par exemple, grand pile monde qui a critiqué nous même machin qui a vendre li. Pour bon, mais c'est pas nous même, bail là pas sorti dans nous même. Vous venez imaginer autant pour par exemple, si c'était pas nous même attaquer machin qui a vendre dans petit galon, grand pile, tape grand pile plein, vous comprenez? On t'a demandé qu'à dit que pays a t'a senti bloqué parce que le gars il pas gagne tant de gaz qu'à vendre, c'est nous même petit machine qu'a dégager nous n'a acheté l'engou dans mais l'autre monde dans l'autre gros machine et puis tout nous même nous vendre dans petit galon mais des monde qui critiquer nous de ça mais on pas comment yo pas tant que imaginer tant que essayer poser tête à question tout pour que ça nous même nous sortir à vendre dans petit galon bon et James continue pour le dire nous en tant que jeune dans un pays qui pas gagne travail ni pas gagne l'autre choix qui fait activité si là. Imagine nous même si jeunes, nous pas gagner à faire. On va pas demander monde. Pas qu'à toute journée demander monde, tant qu'on demander un monde. Chaque fois lever demander un monde 50 gourdes, on va et payer à pas gagner travail tout. Vous vous obligez c'est le dégage sous bon $500 dans monde. Vous obligez acheter un deux galons et puis tout ça même. Pour jeter ton façon, on va pas demander, on va pas voler tout. Haïti dans une situation malouque à cause d'augmentation activité violence gang depuis mois février passé. Gang qui font alliance entre yo te causé gros désordre dans capitale là. Côté yo te coupé route ni en lait ak atè. Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU dit gen plus passé 2500 moun qui mouri ou soit blessé dans période mois janvier ak mars 2024 là. L'escalade de la violence a eu des conséquences dévastatrices sur la population. Chiffre ça qui augmenté 53% en plus comparé à trois derniers mois dans l'année 2023. Yo. Mars de cette année, situation sécurité ça en Haïti forcé plusieurs milliers de monde couy quitter caillou, ça qui causait tout une catastrophe grand coup. Merci Fred Kaimit ou sous VOA Creole ou à suivre le programme dans langue creole haïtien. Nous prenons le talent dans New York avec manifestation qui continue dans gros université, surtout dans New York avec Californie. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale de la presse. Important. Émission spéciale, branchée VOA Creole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Alvan Linala.
Étudiants manifestants pro-palestiniens ont occupé un building dans l'Université Columbia, bien bonheur m'a dit en travail là. Ça qui était augmenté tension yo avec administration l'école là qui était commencé à suspendre étudiants yo parce qu'ils ont refusé démonter tente qui ont été mettée sous campus université à dans New York. La police de New York a débarqué entrée dans la cour Columbia Université à dans Aswe pour arrêter et disperser manifestants yo qui ont même été occupé et installé tente yo sous campus l'école là pour presque 2 semaines. Manifestation élèves pro-palestiniens ont gagné dans plusieurs douzaines d'autres écoles à travers États-Unis pendant dernier jour ça yo pour exprimer opposition yo contre la guerre Israël là dans Gaza. La police a commencé perdu patience avec manifestants yo. Yo t'ai utilisé gaz lacrymogène avec teasers pour empêcher manifestants yo occuper campus yo dans plusieurs universités. Avec quantité manifestants station qui a augmenté à travers l'école yo, activistes ont demandé pour yo suspendre tirer ou cesser le feu dans la guerre Israël là à Hamas. Yo mandé tout pour université yo couper lien yo avec pays et compagnie qui ont même à profiter dans conflit la guerre ça. Jeudi mercredi 1er mai à UCLA University en Californie, rejoignent mouvement manifestation étudiant yo à travers pays. La police a arrêté plus passé 200 manifestants jeudi mercredi à dans université dans Los Angeles, Boston et Austin dans Texas, côté que environ 2000 moun t'est rassemblé matin. Dans le collège Emory, dans Atlanta, la police a plité Marie Goumé avec manifestants sous gazon universitaire qui ont été occupés. Département de la police Atlanta a dit que la police a répondu à la demande d'aide que l'école a fait et a été rencontré avec violence dans les étudiants et a été obligé de répondre à gaz lacrymogène. Dans l'université Sud California, dans Los Angeles, a été arrêté 93 personnes qui ont manifesté jeudi mercredi. Et autorité a dit que ont annulé la cérémonie de graduation étudiant qui prévoit pour date 10 mai. Dans Emerson College, dans Boston, médias locaux ont rapporté que la classe a été annulée après que la police t'ait fait face à manifestants yo dans la nuit hier et yo t'ai arrêté 108 moun. Dans Washington, étudiant Georgetown à George Washington University t'ai établi yon camp solidarité sous campus l'école là. Manifestation t'ai blayi avec plusieurs tentes t'ai monté sous campus l'école yo dans New York University à Yale University. Dans toutes deux l'école ça yo, la police t'ai arrêté plusieurs étudiants à commencement semaine là. Arrestation étudiant t'ai fait tout dans Harvard, Brown University, MIT, University of Michigan à l'autre côté. Mouvement manifestation ça yo t'ai commencé dans Columbia University dans New York côté que yote bay étudiant yo date limite à minuit hier nan soir puis yote retiré tout temps yo sous campus l'école là. Columbia University te vin tourner épicentre mouvement bon côté pa yo supporté pro Israël yo ak l'autre monde qui te inquiété sous insécurité sous campus yo te longé doit sous plusieurs incidents antisémites qui t'a encouragé intimidation ak discours haïssement contre étudiants ak professeurs juifs yo. Manifestant étudiant yo dit que a exprimé solidarité ak palestiniens dans Gaza côté que quantité moun ki mouri yo dépassé 34 305 d'après ça ministère santé territoire Hamas la fait konnen. Pep Israël a lancé la guerre contre attaque li nan Gaza après attaque Hamas a fait dans date 7 octobre là qui t'a fait environ 1170 moun qui t'est mouri d'après chiffre officiel israélien. Militants Hamas ont pris à peu près 250 moun en otage et Pep Israël a estimé que 129 moun t'est resté dans Gaza qui gen là-dedans 34 citoyens juifs yo supposé qui mouri. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté que secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et dans le cadre de l'Iran, l'a fait dans la région Moyen-Orient. Jean-Robert Philippe et rencontre sa fête et puis c'était occasion tout pour le secrétaire d'État américain lui-même pour te parler avec famille. Otage qui n'a mis à Massio et le Dio pour y avoir la foi à Jean-Aubert. Donc, c'est un lot tourné encore. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui passe suspendre voyager. C'est peut-être même 7e voyage dans la région Moyen-Orient. Oui, effectivement, c'est 7e voyage. J'ai mis en contact avec famille et quelques familles otages. C'était important, surtout mon petit genre découragé. Mais en même temps, tout y encourage l'administration américaine pour continuer à faire des efforts. Pour être qui mesure capable d'aider ou bien encore jouer une libération otage qui déjà a presque un peu plus passé 200 jours depuis en captivité. Mais le secrétaire d'État américain bon, qui insistait à ce que Hamas t'a dû accepter l'offre que Israël fait pour mettre fin dans la situation ou bien encore libération otage et puis tout pour que tu aies campé qui t'a arrivé dans le conflit. Alors, on a dit que le secrétaire d'État américain l'a retourné à Washington aujourd'hui, probablement sans que le bâche de résultat qu'il était souhaité pour le terrain. Mais quand même, l'a continué quand même et les négociations ont continué quand même parce que M. Hamas a pu retourner en Égypte pour avoir une réponse avec la proposition d'Israël faire. SOS USA! SOS USA! Bring our children home today! Bring our children home today!
famille otage israélien qui n'a même militant à Massieu depuis 7 octobre passé organisé une manifestation devant hôtel côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré président israélien Isaac Herzog. Manifestants qui dégainent en main yo drapeau israélien avec drapeau États-Unis mandé administration américaine pour mettre pression sur Israël avec Hamas pour une entente pour libération otage avec un cessez-le-feu. Secretary Blinken has come as a responsible adult to make some sense inside the situation. Un tonton en captivité depuis 7 octobre passé déclaré secrétaire d'État Blinken vient ici là comme un grand responsable pour comprendre la situation. Nous voulons remercier l'administration Biden qui a fait effort pour mettre fin à la situation otage à cause du gouvernement israélien avec Hamas pas capable de joindre un accord pour continuer. Manifestants ont demandé pour otage retourner la caillou après plus passer 200 jours en bas main groupe militant Hamas. Rencontre secrétaire d'État Blinken avec président Herzog là, c'est premier parmi une série rencontre avec leader israélien pour discuter façon pour permettre assistance humanitaire à aller dans territoire Gaza. Dans même moment, l'a demandé leader Hamas pour accepter une proposition cessez-le-feu Israël fait pour libération otage avec une pause dans le conflit. Had an opportunity to meet with some of the families of some of the hostages as I have. C'est le diplomate américain qui a rencontré les manifestants dans Tel Aviv, déclaré par les journalistes. Moi, je souhaitais une opportunité pour moi rencontrer membres de famille, quelques otages, tant que moi, je fais chaque fois que j'ai une opportunité. Le président Joe Biden et leurs collègues, l'objectif, c'est mener les otages retournés à la jeune famille. Libération otages israéliens, dans sans toute action, nous avons essayé de poser. Pas reposer jusqu'à ce que garçons, femmes, soldats, civils, jeunes, vieillards retournent la caillou. Gagne une grosse proposition sous table là, kounye là. Hamas besoin dit oui, nous besoin sa fête kounye là même. Secrétaire d'État Blinken rencontre tout avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pendant visite là. Une rencontre qui déroulait environ un mois après le président Joe Biden a lancé un avertissement sévère pour dire Washington capable de changer politique si Israël pas franchi étape nécessaire pour protéger les civils, améliorer souffrance humanitaire et sécurité pour travail humanitaire. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. D'après les toujours dans la région Moyen-Orient, pour nous dire que Gaza trouve une situation qui de jour en jour a pi compliqué. Et Nations Unies fait connaître que, pour nettoyer Gaza, ça a demandé un pile d'argent et ça a demandé un pile temps. Gentil Augustin Junior. Après plus passer 7 mois la guerre entre l'armée israélienne là et groupe militant Hamas dans Gaza, chef programme action mine Nations Unies dit pour nettoyer Gaza, ça a coûté plusieurs centaines de millions de dollars et puis prend plusieurs dizaines d'années. That statistic of 14 years was to clear. Statistique 14 l'année ça, c'est pour nettoyer débris dans Gaza. Côté gain 37 millions tonnes, si n'a utilisé 100 camions. Mais ça c'est pas pour nettoyer bombe qui pas explosé yo. Concernant contamination, nous suspectons, mais nous pas capable faire une évaluation. Qui donc nous pas certain d'un point ça. Contamination pral très important et nous comme un secteur pral certainement besoin plusieurs centaines millions dollars à plusieurs années. Si c'est pas plusieurs dizaines d'années pour nettoyer Gaza. Attaque militaire armé Israël là contre groupe armé Hamas là réduit en pile territoire étroit bolan meya qui gagne 2 300 000 moun comme un désert côté fo civil yo pa gen kay pou yo rete yo nan grand goût et yo en bas menace gros maladie. Charles Birch, chef service action mine Nations Unies UNMAS nan territoire palestinien te expliqué situation Gaza trouvé nan moment. The situation in Gaza is unprecedented. Nan context Gaza situation sans pareil. Gaza gen plus de combats passé Ukraine et puis pour mettre nan perspective champ de bataille ukrainien gen yon longueur 600 000 alors
paske pa Gaza se 25 mil. Gen 37 milyon ton debri nan Gaza. Problem netwayaj Gaza se youn. Men gro maladi ki pandye sou tèt populasyon Gazawi ya, a koz bom ki pa eksplose yo, se yon gro problem dapre Charles Birch. Until we've been able to get access to the north. Toutan nou pa gen aksè nan noa, epi nou pa ka fè yon evaluasyon, nou pap certain nivou kontaminasyon. Cependant, histoire secondaire yo si géré, li exceptionnellement lou nan Nord Gaza. Équipe nou te rencontré, bombe ki pa explosé pendant mission yo nan Nord. Et nou kwè ke sa pral yon gros problème nan l'avenir. La guerre a te commencé ak yon invasion choc groupe Hamas la nan site Israël, côté militant lyo te touye 1200 moun et kembe 240 en otage, d'après e statistiques israéliens yo. Jusqu'à présent genyen nan otaj yo ki toujou nan men group armé Hamas la malgré négociation k'ap fèt pou yo ta jwenn yon trêve nan la gen sa. Sou bon pa autorité santé Gaza group Hamas ap dirije, au moins 34305 palestiniens deja mouri ak 77293 blessés nan offensif militaire israélien yon nan Gaza depuis 7 octobre 2023. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et autour de sauver au Créole, merci d'être au branché. Et nous saluer tout le monde qui branché dans le moment ça. Nous voulons saluer de façon spéciale Foucault qui toujours lui-même là avec nous au sauver au Créole. Merci d'être au branché. Et oui, nous au travail, et ben je dis à mes amis, c'est travail tout partout dans le monde, et ben ils ont manifesté pour demander plus bon conditions travail. Sandra Lemaire. Travailleurs et activistes tout partout dans le monde ont marqué fête travail là 1er mai avec manifestation largement pacifique. Côté yo t'a protesté contre prix produit qui a augmenté et puis demandé plus droits pour travailleurs. Monte Kawe Pancat qui exprimé solidarité pour Palestiniens autour. Dans Istanbul, la Turquie, la police t'est servi à gaz lacrymogène et puis balle caoutchouc pour disperser plusieurs milliers de monde qui t'ont essayé d'écraser aux barricades pour arriver sous place principale Taksim pour défier interdiction autorité. Le ministre intérieur a dit la police a arrêté au moins 210 moun. On a rappelé que 1er mai, c'est jour côté monde là, célébrer droit travailleur. C'est tout une opportunité pour exprimer doléance économique à politique. Dans Paris, la police lançait gaz lacrymogène sous plusieurs milliers de manifestants qui étaient défilés dans la capitale là pour demander plus bon salaire à conditions de travail. La police dit qu'il y a 12 policiers qui sont obligés à prendre soin à l'hôpital après un explosif que le monde fait la caille, il était sauté sous côté marche là. Neuf monde que yo arrêté. Pendant ce temps, un groupe manifestant mettait du feu dans sec olympique yo t'ai fait pour montrer gens yo pas content que jeux olympiques été yo pral dérouler dans moins que 3 mois. Syndicat travail français yo lancé avertissement pour dire travailleurs yo qui a fait grève pendant jeux olympiques yo si gouvernement pas compenser moun assez pour travail yo obligé fait pendant saison vacances été yo. C'est une catastrophe sur le plan démocratique, sur le plan social et sur le plan écologique. Alors oui, ici, en ce 1er mai, journée de lutte internationale, nous ne nous laisserons pas faire. Monsieur décrit situation politique la France tant qu'il y a un désastre et il dit au pape quitter l'autorité et brusculer. Dans le Liban, manifestants pro-palestiniens étaient mélangés avec travailleurs qui t'a demandé une fin dans la crise économique qui rend la vie difficile. First of all, I have to congratulate all the workers in the world. Les dit premièrement, faut me féliciter tous les travailleurs dans le monde aujourd'hui, c'est jour n'est pas yo. Mais ça qui a passé Gaza, c'est vraiment une catastrophe et puis un massacre Israël a fait contre les Palestiniens yo. Et puis il a fait répression contre travailleurs yo et puis empêcher yo jouir droit yo. Non seulement ça, yo pas protéger la vie yo. Fait travail là à commémorer Anissa pendant que Israël a bras poursuivre la guerre contre Hamas dans Gaza. Ça la cause tension sur la frontière Liban, partagée avec Israël, augmenté tout. Militants Hezbollah ont commencé à attaquer postes militaires israéliens le 8 octobre, qui se joue après militants Hamas palestiniens ont lancé attaque surprise contre Israël et pitouillé 1200 moun. Yo te prend ou l'autre 250 moun en otage, ça qui t'a déclenché la guerre, qui a continué jodia.
Pour finir, dans la ville Séoul, capitale Corée du Sud, plusieurs milliers de manifestants te prennent la rue et puis chantent slogan pro-syndicat travail pendant une manifestation organisateur yo dit visait augmenter critique yo contre politique anti-travail président Yoon Suk-yeol à gouvernement conservateur lia à poursuivre. Monsieur dit tout le monde dit système emploi et structure industrielle pour changer tout à l'heure. Ça va nous goûter à sauter que le gouvernement a essayé de faire nos faits back et que les travailleurs ont souffri à cause de ça. Manifestation comme ça a été déroulée dans 10 villes en Corée du Sud. La police fait qu'on a mobilisé plusieurs milliers de policiers pour maintenir l'ordre là et que pas de gain aucun acte de violence. États-Unis pas fêté fête travail 1er mai, li fêté travailleurs palio, travailleurs américains yo plutôt nan fin mois de septembre là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis dans le pays d'Haïti, d'après sa que correspondant nous sous place constaté par grand Kensin qui montrait que y a célébré fête 1er mai qui s'est fête agriculture ak travail. Et puis Chambre commerce américain haïtien Floride organisé yon rencontre deux jours pour aider population joindre bon gens information pour yon ouvre yon activité dans état. Nous gen sous place Pierre Renel René depuis Miami. Sous initiative Chambre commerce Haïti ak américaine en Floride, FIU Université accueilli week-end passé à conférence de jour ça sous comment ak opportunité pour moun faire business dans zone Floride là. Intervenant yon nan domaine tan kou finance, intelligence artificielle ak gouvernance te composé panel yo devant yon assistance en majorité composé ak entrepreneur, jeune ki intéressé vin fè business, organisateur yo atteint objectif la. Président Cham Nandil satisfait. Année passée nous songe nou te vin la, nou te fè yon même conférence là, mais conférence dans l'été différent de ça que nous gagnons jeudi à parce que gagnons innovation, gagnons le bagage qui passait. Donc, moi, ça c'est content, moi fier de monde qui est venu participer à programme ça qui fait jeudi à. Pendant le salut, j'ai fort avec énergie qui était consenti pour rendre possible événement ça. Directrice exécutive la Soubopal félicité choix intervenant yo qui était révélé yo excellent pour occasion à Madame Nadia Acide. Estimé lui-même tout qui c'était une réussite. Many people came up to us and said that they learned so much and that they are ready to pay next year since this was a free event. Li promet pour bay suite à l'idée qui dégageait dans deuxième édition conférence là, édition ça a été bay occasion pour artisan yo exposé zèvyo yon nan nouveauté année ya. Tiam gen client qui devine là donc il était très content que ça ait bali rappeler lui de mémoire qu'elle a gagné en Haïti donc c'est tout à fait donc ca dit satisfaction mais c'est jusqu'à 100% hein. C'est une très belle expérience pour moi-même qui fait commencer ici hein, dans la diaspora avec produit nous. Le public a vraiment répondu et nous avons une information que qui a aidé nous grandir business dans une communauté comme ça. Participants et au package et satisfaction et pour deux jours de brasser l'idée conférence là côté où apprendre comment faire grandir et monter business yo. Et on après l'autre yo féliciter et exprimer satisfaction pour qualité intervention yo à organisation événement. Conférence était très bien, elle était très éducative et je pense que il y a un pile leader qui dans communauté hein qui était participé dans conférence qui était bail perspective yo. M'apprendre un pile sur leadership là. M'apprendre pile sur soit besoin pour gain succès leur créer une compagnie soit faire entrepreneurship et qui compétences qu'on besoin et m'apprendre que relation avec l'autre monde très important vinn garder plus que nous et si n'a descendre plus bas et qui plus avantage que nous ka gagner pour entreprise nous. Week-end conférence ça c'était moment pour chambre commerce haïtiano-américaine en Floride renouveler engagement pour continuer accompagner secteur business dans la communauté floridien à cause manque information mon yo en pile fois passé à côté opportunité état ça offre une créer business. Moi c'est Pierre Ronel René depuis FIU Université dans Miami pour VOA Creole. Pratiquement arrivé dans fin programme nan, mais nous pas qu'à aller sans ne pas souhaiter un joyeux anniversaire à pi ancien quotidien qui gagne dans pays à Le Nouvelliste 126 ans il faut le faire et puis nous saluer collaborateur nous correspondant dans grand danse Mackinson Charles lui-même tout
cap fêter anniversaire jodi. Am te content retourner vinn joine nous. Elena, nous saluons Sibas et puis Jean-Marc Hervé Abella et puis Gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Nabilizer. Bonsoir.